now are you cette semaine ici, ça vient à partir de vous rester jusqu'à l'autre dimanche. Ok? On va aux internes ici, prier pour que Dieu vous délivre. Amen. Aussi la même chose, vous restez là. Qu'est-ce que tu as fait à celle-là? Avec elle, c'est ça? C'est ta femme? Tu aimes elle, tu la programmes? Si, si, tu la programmes. Elle, tu la programmes. Même ton père, lui. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est mon travail, tu sais? C'est mon travail, moi, je fais. Dans Côte d'Ivoire, le travail, quand je me lève matin, là, ce qui est fait là, c'est attraper les sorciers. Moi, je dis, Seigneur, va envoyer les sorciers, je les attraper, les délivrer. Quand je me lève le matin, je les combats. Je dors, je les combats. Donc, moi, quand un sorcier, là, je sais déjà ce que vous avez fait. Mais si on parle à votre place, ce n'est plus des aveux, c'est des révélations. On ne peut pas se baser sur le bas d'une révélation, délivrer quelqu'un. Il ne faut pas se faire des aveux. C'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as détruit. C'est ça. Tu dois dire, c'est des aveux. Dieu te pardonne, et puis Dieu te délivre lui-même. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as programmé. Tu l'as dit attaché. Où ça? Vous devez la manger. Ok. Même ton père aussi. Ok. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je te délivre maintenant par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je te libère, oui, je te libère. Je te délivre. Je te délivre. Tout ce qui est espèce sur toi est détruit au nom de Jésus. Je libère tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton mariage, je libère toute ta destinée par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je libère ta vie et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame ta délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, la main de Dieu, je libère. Reçois ta délivrance, au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Un bon nouveau souffle dans ta vie. Il balaye tout ce que l'ennemi a sauvé. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ te délivre. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La délivrance que tu accordes à cette sœur. Au nom de Jésus. Tu délivres.
la défais. Jésus-Christ de Nazareth. Allez, lâchez-la. Lâchez sa vie. Libérez sa vie. Libérez toute sa destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame sa délivrance et maintenant. Je proclame sa délivrance et maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. L'Esprit te libère. L'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit te libère. L'Esprit de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu te délivre maintenant. La puissance de Dieu te libère maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta délivrance. Et maintenant. Reçois ta délivrance. Oui, reçois. 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 Reçois ta délivrance. Maintenant. Reçois ta délivrance et maintenant. Reçois ta délivrance. Maintenant là. L'Esprit te délivre. L'Esprit te libère. L'Esprit te libère. Oui, au nom de Jésus. Tu fais ça avec qui, la sorcellerie? Vous êtes. Il y a combien dans la concurrence? 5 personnes. Tu peux les nommer? Il y a 10 000. Hein? Il y a 10 000. Maman de Doudou, c'est qui? À son mari. Mais vous restez ici, une délivrance, c'est une délivrance. Mm-hmm. Vous pouvez venir tous les jours, vous faites délivrance. Mais tout à l'heure, on aura une séance de délivrance, tout à l'heure. Tout à l'heure, on aura une séance de délivrance. Oui, allons-y. Oui, c'est après 2 jours après ma naissance. Et c'est le dernier pour moi. Salut, maman. Et c'est un grand cheminement avec ma grand-mère et maman. Elle a parti à la maison. Et là-bas, elle a dit à ma grand-mère qu'elle est importée aussi. Tu as quel âge? On sait pas. Mmh. Elle est 20 ans. Mmh. Vas-y, vas-y.
Je t'écoute, on t'écoute. Non, mais blague pas, pour les amis. Moi, on pense que M. Manton était séquestré. Bon, on va te laisser la première personne. Ça va? Tu es sorti? Oui. Tu le connais? Oui, je le connais. Qui t'a donné? Un vieux. Un vieux Lucas. Comment t'as donné ça? La tension, la gagne. Mais tu n'as pas. Et lui n'est pas dans ta confrérie? Non, il a dit les deux. Moi, je suis bien. Parce que tu ne peux pas initier un enfant, tu peux initier quelqu'un qui va dans une autre confrérie, c'est pas possible. Quand on initie, c'est que la personne va pouvoir comprendre. Voilà, j'ai bien écouté, il a dit les deux. Parce que tu as dit, mais tu n'as pas dit. Tu as bien menti un tourneur, tu as bien laissé les choses. Ok. Et toi, oui? Oui, c'est un jeu de quartier. Comment il t'a donné? C'est de la nourriture, parce qu'on partait jouer là-bas. Ça nous donne la nourriture pour manger. Mais est-ce que le jour où vous avez eu la sorcellerie, est-ce que vous avez pris la peine d'expliquer ça à vos parents? Est-ce que vous avez pris le soin d'expliquer à vos parents que vous faites des voyages nocturnes, que vous mangez, vous gâtez? Voilà, c'est là que nous accusons. C'est là qu'on doit vous accuser. Parce que quand tu vois des choses qui ne sont pas normales, il faut dire à tes parents, il faut les approcher pour dire... Hein? Non, ce n'est pas une question d'aller à l'église. Tu ne parles pas de l'église. Oh, mais comme on ne dit pas là-bas, on ne dit pas ce qu'on fait. Hein? Réponds-moi à ta bouche. Oui. On ne dit pas. Qu'est-ce que tu as gâché, toi? Tu as tué? Oui. Combien? 26. Hein? Il faut donner le nom de 6 personnes. Pourquoi ça arrive? De même, ça arrive? Mais non, c'est une seule personne qui a tué. Non, c'est la personne qui a tué, c'est la personne qui me tue. Vous ne pouvez pas vous deux tuer la même personne, c'est pas possible. C'est lui qui a tué, c'est lui qui a tué. Même si vous l'associez pour le tuer, c'est lui seul qui l'a tué. Non, là-bas, chien, mon chien. Tu as tué un vieux de ta confrérie. Il fait partie de ta confrérie. Et tu l'as tué. L'autre confrérie. Il voulait venir attaquer. Et puis toi, tu l'as tué. Donc toi, tu sais tuer les gens. Quand on t'attaque, tu tues les gens. Je te demande. Donc faut m'attaquer. Attaque mon gros. Tu es fort, non? Faut m'attaquer. J'aime qu'on m'attaque. Faut m'essayer. Faut me faire tomber. Sinon, moi, je te fais tomber. Tu peux, non? Non. Pourquoi? Puisque toi, tu es fort. Faut me terrasser. Sinon, moi, je te terrasser. On peut confrontation. Pouvoir contre pouvoir. Comment tu arrives à faire tomber les gens? C'est à toi, je demande. Hein? Comment tu arrives à te faire tomber les gens? Qui mettent en chien. En chien. Donc on voit les chiens dans les rêves, tout ça, les sorcelleries. Tu te transformes en chien, qu'est-ce que tu fais? Allez, tire. Oui, mais explique comment tu tues. Une belle petite fille, tu es sorcier. Maman, tu es belle. Hein? Donne-moi ton numéro. On va te montrer qui a mis beurre d'avocat. Avocat beurre. Ah, tu finis le matin là, tu as hémorroïde en même temps. Hémorroïde. On dit plein de vent. C'est qu'elle va te montrer. Pendant que tu couches avec elle, c'est elle-même qui fait toi. Tu vois beurre d'avocat en même temps. Mon cabeur. Comment tu tues? Je vais t'assurer ici un peu. Puis je vais sur toi la réponse. Puis je suis mort. C'est mort. Puis tu tues les gens. Tu fais quoi? Et tous ceux-là sont dans une maison. Hein? Ils sont tous dans une même maison. My God. Mangez dame dans la maison.
Je t'écoute. Tu fais tes aveux. Tu as fait quoi? Tu fais quoi? Ta sorcellerie? Non, pas j'ai initié, ma petite. Non, non, laissons ton parlons de tuerie. Nous on a abordé un sujet. Tu fais comment pour tuer? Tu te transformes en chien, c'est ça? Tu mords tes victimes, c'est comme ça, il meurt après. Tu as dit que tu as tué 26 personnes. Donne-moi le nom des 6 personnes, j'ai dit. Ils n'en ont pas de nom. Donne-moi le nom des gens que tu connais, puisque c'est 26. Bon, ça, je sens. Salif. Mais Salif, là, il a fait quoi? Il a fait quoi? Vous les mangez, vous les connaissez, Salif, là? Ils sont pas quoi? Ça veut dire beaucoup d'avocats. Ils sont pas morts. Sa maman est morte. Mais pourquoi vous les tuez? Vous tuez sa maman? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Lui, il dit qu'il a. Il a fait quoi? Des histoires. Il t'a insulté. On doit venir en renfort, quoi. Toi, tu manges aussi. Hein? Hein? Eh, pardon. Il dit tu manges. Son chéri, là. C'est vis-à-vis, on fait ça. Tu manges. Tu tues. Hein? Tu tues. Oui. J'ai pas ma bouche. Pas ma tête. Oui. T'as déjà tué. Combien? 3 personnes. 3 personnes. Tu les as mangées. Tu as tué qui? Avec mon initié. Hein? Avec mon initié. Tu fais bien un bain. Même t'as initié, tu as mangé. C'est très bien. Ah, c'est toi qui as donné la chose. Moi, c'est toi qui as mangé d'abord. Pour voir si c'est intéressant. Ça, c'est bien. Tu as mangé. T'as fait quoi encore? J'ai exprimé. Ta petite soeur, elle n'a pas de nom? Elle est non, dit. Elle m'a dit le nom? Où de nom? Ça veut dire la flamme de la mort, c'est ça? Tout ceci, c'est même comme ça de nos enfants. Mais elle est partie maintenant à Mauritanie. Comment tu peux donner le nom de Mauritanie à quelqu'un? Elle sera une Mauritanie. Oui, allons-y. Marie-Pop. Hein? Marie-Pop. Marie-Pop. Comment toi tu pratiques ta sorcellerie? Tu gâches la vie des gens, c'est ça? Hein? Moi, je sais déjà ce qui se passe. Donc, c'est pas la peine de jouer les malins. Amen. Amen. On va suspendre ça, on va reprendre ça dans l'après-midi. Parce qu'aujourd'hui, mais oui. Hey, tu penses que ce procès-là, c'est amusement? Vous venez qu'on veut parler, c'est amusement. C'est pour améliorer quelque chose dans la vie des gens. On ne prend pas comme ça de temps. C'est pas un spectacle. C'est une salle de délivrance. Les heures, vous les verrez la nuit. Le matin, c'est programmé pour les prières de délivrance. Amen. Amen. Voilà, on va me tenir debout. Association des malfaiteurs. Des mangeurs d'âme. Non, non, non. Vous voulez dire quoi? Non, non. Moi, je suis en service. Non, mais vous pouvez repartir. Moi, il y a plein de ceux qui mangent là. Ceux qui mangent les âmes. On est tous en service. Oui, mais vous ne pouvez pas. Ce n'est pas vous qui me dirigez. C'est l'esprit de Dieu qui me conduit. Entendu? C'est une heure maintenant qui est réservée à la prière. Ils sont venus dire à Jésus. Il y a le vin qui a manqué. Sa propre mère. Il dit à la dame, mon heure n'est pas encore arrivée à sa mère. Si chez nous, on a dit, mais elle est mal polie, elle ne respecte pas sa maman. Mais j'ai une heure. Voilà. De Dieu. Si l'heure a sonné, moi je le sais. Je m'occupe d'autre chose. Si j'ai une heure des aveux, je m'occupe des aveux. C'est ça le ministère des prophètes. Non, ne regarde pas ton programme. C'est ça, quand vous venez voir un prophète, laissez-le avoir votre système de programme. Alignez-vous à son programme. Nous, on reprend ici à 16h. Parce que ça, c'est une séance de délivrance. C'est toute une confrérie. Ça, c'est une confrérie. Ce n'est pas les écouter là qui est important. Comment les dégager de ça? Et comment vous libérer toute une maison, une famille? C'est un combat. Voilà, c'est un combat. C'est ça qui est plus important. On peut vous entendre, on peut vous écouter, et puis ne pas avoir un résultat. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le résultat. C'est pour ça que je n'ai pas le dossier. Parce que moi, le résultat, c'est le plus important. Et quand j'analyse les dossiers, je vois beaucoup de choses. Donc, on va pas à la part. Nous allons ensemble prier le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous libérer. Demandons au Seigneur de nous se manifester. Prions ensemble le Seigneur. Que chaque personne prie.
Seigneur, nous voulons te rendre la gloire, merci, parce que durant toute cette nuit, nous avons passé un moment de prière qu'on appelle de Deshmani, en ta présence, et merci déjà pour l'œuvre de la délivrance, et merci de nous libérer, et c'est dans le nom de Jésus qu'ils ont prié, amen. Amen. Nous avons fait une offrande pour payer les chaises, parce qu'il n'y a pas de chaises, donnez-nous un pain, et puis donnez-nous un champ, nous allons payer les chaises. Voilà, il faut qu'on ait des chaises ici. Nous venons de prendre un centre. Il faut que j'ai des chaises. Elie la gonne manje, ma toto patako, jou ma yao. Elie la gonne mawa, ma toto patako, jou ma yao. Jou ma yao. Jou ma yao. Amen. Amen. Une chaise fait combien? 5 000 francs.